C'est lundi, wap, 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 dans mon lit. C'est pas lundi, c'est mardi. Ça va les Schtroumpfs? Ouais, je me suis dit, il y a un truc super con à faire dans Horizon Zero Dawn. Quoi? Ouais, je vais vous le faire voir. On est là pour ça. C'est d'attaquer la zone du DLC sans avoir terminé le jeu. Oui, je sais, c'est le truc le plus malin à faire du monde. Et du coup, là, je suis où? Regardez. Je suis dans la zone du DLC. C'est lui. Qu'est-ce que je fous là? En fait, je me suis dit, eux, ils m'ennuient là, la cité de Méridion, tout ça. Ils sont gentils, mais qu'est-ce qu'ils sont gonflants à se contenter de palabres, alors qu'on pourrait aller à la boucherie directement, et ça peut être marrant. Donc du coup, je me suis dit, ce DLC, je vais me le faire. Alors il y a un préalable quand même qu'il faut que vous sachiez. C'est que... Ah bah tiens, j'ai des points à dépenser, c'est pas con. Ça m'aidera. C'est qu'avant d'attaquer le DLC, normalement, toute personne normalement constituée a fini le jeu normal et normalement a accédé à une armure en trois parties qu'il faut réunir et retrouver, qui est l'armure ultime du jeu. Genre elle vous buff. Vous pouvez prendre des claques, hein. Vous pouvez le speedrunner de DLC derrière, c'est tranquille. Et du coup, moi j'y vais dans ce DLC et j'ai pas cette armure. C'est-à-dire que quand je vais me faire taper, je vais le sentir, mais je vais vraiment le sentir, quoi. Ça va être pas mal. Dépensons des points. Pas assez cher. Pas assez cher. Y'a pas des points à 4? Vie de merde. Qu'est-ce qui me serait vraiment utile? Attaque en sautant de la monture. Il va pas y en avoir trop ici, je crois. Triple tir. Oh, ça me. Ça me tente. Je crois que je vais me la prendre celle-là, hein, s'il n'y a rien d'autre d'intéressant dans le coin. Ouais, non, mais triple tir, c'est bon. Moi, veux. Bon, ça, c'est tout des compétences à deux. Et donc, sur ma quête, j'ai activé celle-là pour rigoler. Explorer la plaie, affichée sur la carte. Voilà, on est dans la plaie et ça va être sport. Alors on va me faire une petite introduction quand même, avant que je souffre, que je couine, que je pleure et que je meure très souvent, je pense. Parce que avant de rentrer dans la plaie, j'ai déjà eu un comité d'accueil avec un espèce de tigre à dents de sabre des glaces qui n'a pas manqué de me faire cavaler, quoi, méchamment. Oui, parce que du coup, vu que j'ai pas le niveau, que j'ai pas les protections, je suis obligé de beaucoup, beaucoup bouger. Tu n'as pas dû voir ça souvent, Nora. Burgred, fournisseur de matériel. Dealer. Généralement, les Banouk brûlent leur mort. Pas aujourd'hui. Ils n'ont pas pu récupérer les corps. Ouais, une sale histoire. Leur meilleur guerrier. Non. Ils leur offrent des funérailles dans notre jeu. Votre peine, mes chasseurs.
tu es là. Nos proches ont trouvé le destin auquel Toubanouk aspire. Tomber la lance plantée dans l'acier. Leur combat est terminé. Vous avez vu comme moi leur esprit s'élever dans le ciel et plus haut vers la lumière bleue. Mais notre combat commence à peine. Bientôt, nous reprendrons la chasse contre le Daemon qui rend les machines folles de rage. Je vous le demande. Aurez-vous le courage de vos chers disparus? Pourrez-vous combattre et mourir aussi dignement? Les machines ont tué les meilleurs d'entre eux. Et qu'est-ce qu'ils veulent faire? Retourner là-haut. Idiot. Tu veux un conseil? Entre nous. Aloy. Aloy. Ça fait déjà deux longs hivers que je suis là. Et je n'arrive toujours pas à comprendre les Banouk. Tu vois cette pagaille? Tout a commencé quand l'un de leurs chamans, Ouréa, s'est mis à parler partout d'esprit et de démons au sommet du fût du tonnerre. Ils ont envoyé leur Vérac là-haut, et la moitié se sont fait tuer par des machines. Quand Ouréa a disparu, je pensais que cette folie avait disparu aussi. Mais non. Voilà le grand Aratak qui les prépare pour retourner au sommet. Cet Aratak est un guerrier renommé? C'est un chef Vérac. Sa voix impose un profond respect, mais on ne l'entend pas souvent. Ce bonhomme parle autant qu'une truite morte. Mais quand Ouréa et lui sont arrivés avec leur Vérac, ils ont attiré plus de Banouk que je n'en avais jamais vu. Et tu sais ce que j'ai vu d'autre? Ma propre route commerciale se prolongeant jusqu'à la roquette. Et puis, il a choisi d'emmener tout le monde mourir entre les griffes des machines en colère. J'ai perdu mes meilleurs clients. Et c'est Ouréa qui a parlé de ce Daemon? C'est ça. Elle a dit à Aratak et aux autres qu'il vivait en haut du fût du tonnerre. Et ils l'ont cru. Mais toi, non. Écoute, je ne sais pas ce qu'Ouréa a trouvé là-haut. Un chaman ne parle pas à un étranger. Les machines de la plaie sont de plus en plus agressives. C'est un fait. C'est peut-être à cause d'un Daemon. Ou peut-être qu'elles ont toutes une indigestion. Qu'est-ce que j'en sais? Mais Ouréa n'est plus là pour l'expliquer. Elle est partie. Personne ne sait pourquoi. C'est quoi ces Vérac ou juste Burgrend? Un genre de tribu dans la tribu? Ce n'est pas comme les clans de mon peuple. On n'en fait pas partie dès la naissance. Il y a des épreuves. Si tu prouves que tu es la meilleure, tu gagneras peut-être ta place. Certains Vérac sont temporaires. D'autres sont aussi durables que le métal. Tout le territoire Banouk, Banour, regroupe juste les plus grands et les plus anciens Vérac. Je sais pas trop si c'est plus clair ou plus confus. Bon, une chose est sûre. Chaque Vérac a un chef de clan et un chaman. Ensemble, ils prennent les décisions. Tout irait bien si les chefs n'étaient pas aussi têtus et les chamans perchés dans les nuages. Je veux en savoir plus sur ce Daemon. C'est les Fadaises, Aloy. Ou c'est plus compliqué, en lien avec le comportement des machines. Bon, tu vas devoir trouver Ouréa. On l'a vu partir vers les montagnes qu'ils appellent les Aiguilles de Glace. On dit que seuls les chamans connaissent la piste qui traverse ces pics glacés. Mais je sais où tu pourras trouver son apprenti, Naltouk. Il est parti chasser des rumeurs, loin au nord d'ici. Des rumeurs? Et pas des bonnes. Des attaques soudaines dans la neige. D'étranges structures. On parle même d'une machine d'un genre jamais vu encore. Tu m'as totalement convaincu. Merci pour tout, Burgrend. Y'a pas de quoi.
Je me demande si Aratak pourra m'en dire plus sur Ouréa ou le fût du tonnerre. Ça vaut le coup d'essayer. Je ne veux plus jamais vous entendre parler de ça. Le doute pèse plus lourd que la neige. Mes excuses, chef. Nous serons prêts au prochain essai. Ce ne sera pas qu'un essai. Il faut réussir. C'est bien compris? Certainement. Bien. Étrangère, je suppose que tu veux parler. Ce Daemon dont tu m'as parlé. Si tu es assez robuste, tu peux aller voir les signes par toi-même. Il a changé les machines. Elles sont plus féroces, plus fortes. Mais qu'est-ce que c'est ? C'est au chaman de le découvrir. Ton Vérac vient d'ici ? Non, nous avons rallié la plupart de nos chasseurs à Banur, afin d'affronter le Daemon. Mais je suis né ici, et je suis resté combattre les Karja quand d'autres ont fui dans les montagnes. Une poignée de mes guerriers m'ont suivi, ceux qui ont survécu. Il y a d'autres Vérac à la cime du champ ? Oui. Le village a une vie propre pour ceux qui veulent commercer ou s'abriter. Après la fin de la guerre, elle est née de ce qui n'était alors qu'un campement, aussi vide que la fleur entre deux gels. Elle durera peut-être, jusqu'à ce que les Karja cherchent encore la guerre. Tu comptes retourner à la montagne ? J'ai donné ma parole. Malgré les dangers qui vous attendent ? Mais quels dangers ? La mort ? Il serait bien pire de courber l'échine face au défi et de dire « j'abandonne ». Bon, je vais y aller, alors. Bien. Je préfère les actes aux mots. Bien sûr. Le grand coup des billets de gel mérite le respect, au lieu d'être regardé comme des imbéciles bouche bée. Les points de Diamond. On a du boulot, les amis, je vous le dis. Oui, on a du boulot. Par où commencer ? On va regarder dans les quêtes, hein, tout simplement. Donc oui, no bullshit, hein, principal. J'ai pas fini la quête de base. Qui, elle, veut me renvoyer par là-bas. Ou par là-bas. Ça, c'est plus la fin du jeu. Et du coup... Je sais pas si c'est super intelligent ce que je suis en train de faire, mais on va le faire quand même. La voix des chamans, niveau 30, pas de soucis. Regardez comme je vais être bien là. On y va. Non, évite de sauter là, tu vas mourir en un saut, ça va être moche. Pour un démarrage de stream, les gens ont écouté plein de blabla et ils ont envie de voir de l'action maintenant. Descendre par ce côté-là. Les gars, vous descendez par où de votre bled là? Ouais, je voudrais avoir un feu quand même, ce serait pratique. Oh, un feu. Bon, un feu, c'est pas loin de l'info. Maintenant, je voudrais l'info. Mec, y a pas un ascenseur, un élévateur, un truc comme ça? D'accord, là. Ils sont pas très sociaux dans le coin. Je sais pas si je peux me gagner de là. Ça fait un peu haut quand même, les amis, non? Ouais, non, mais je vais me mettre en méga gadin, ça va être moche. Bon, on y va quand même. Bon, si je veux comprendre comment ce Daemon influence les machines, je dois trouver Ouréa. Et pour ça, je dois trouver son apprenti en suivant la rivière vers le nord. Pas de soucis. On y va, les amis. Y a plus de petits animaux à chasser? Oh, c'est bien cette partie-là, dites donc. Oui, parce que j'avais gueulé depuis le début du jeu que oh, on est obligé quand même de flinguer des petits animaux. Alors elle marche plus doucement dans cette neige. Des petits animaux innocents. Regardez-moi ces traces dans la neige en plus. Je sais pas du tout où je suis paumé dès le démarrage, c'est terrible. Pense au soleil d'été, à la brise, dans les arbres. Alors qu'est-ce
con. Étrangère, attendez, juste une minute. T'as l'air d'avoir froid, toi. L'arme que tu portes, étrangère, cette lance, je vois la lumière bleue autour d'elle. Tu n'es pas le premier à t'y intéresser. C'est moi qui l'ai faite. Sur ton idée, mais tu n'es pas une chameur. Non. Juste du bricolage. Les bricoleurs n'entendent rien à l'étincelle dans le métal, au chant qui résonne dans la matière. Mais on pourrait l'améliorer, la modifier avec l'aide des anciens. Loin d'ici, au nord, il y a une grotte qui s'enfonce dans la neige. Et dedans, un nid d'oiseau métallique. Trouve un volatile que les chamans d'antan n'ont pas dépouillé. Tu trouveras un rail, dedans, long comme ta lance. C'est tout ce que je peux te dire. Un rail sur des oiseaux métalliques dans une grotte. Une journée comme une autre. Apparemment, le DLC, c'est surtout pour choper une arme. Donc, dans le jeu, à la fin, on chope la méga armure, et dans le DLC, on chope une méga arme. Oh, je vais me faire des petites ablutions, ça a l'air sympa, regardez. Je vois que tu as survécu un jeu de plus. Les gars, je peux jouer? Les gars? Les gars? Le responsable, c'est qui? Je veux le nom. Il y a une caisse par là, non? Non. Bon, sanglier, ok, mais j'en ai pas besoin. Ah, je vais quand même regarder. Il faut que je flingue pour agrandir mon inventaire. Je suis obligé de flinguer des pauvres petites bestioles. Et à chaque fois, je m'en veux, c'est horrible. Ça, c'est activé. Faut que je flingue quoi? Un pauvre raton laveur. Pauvre bête. Un pauvre sanglier. Si, il va pas faire long feu, le gars devant. Ça, c'est pas grave. Et des lapins. Raton laveur, lapin, sanglier. Vous me le rappelez hein, dans le chat si j'en ai besoin. Raton laveur, lapin, sanglier. Ce sera notre quête supplémentaire. C'est quoi ça? Blé en toi. On va se refaire tout l'équipement comme il faut parce que je sens que ça va être sport. Je sais pas pourquoi. Alors je l'ai jamais essayé ce DLC. Et du coup c'est pour ça que j'y vais avec une certaine appréhension parce que je me dis. Déjà, t'es pas équipé, ça je le sais. T'es pas équipé pour faire le malin. Mais je me demande ce qu'il va y avoir comme bestiole énervée. Parce que. On avait les zones de corruption qui rendaient déjà les machines beaucoup plus méchantes. Et maintenant, s'ils ont inventé un truc qui les rend encore plus méchantes par défaut, ça va être chaud. Ça va les gars? Je vous emmerde pas, hein, vous êtes en train de bouffer, moi je fais que passer. Je profite du paysage. Un grand coup? Qu'est-ce qui a bien pu le faire tomber? C'est du costaud. Burgren a dit que l'apprenti d'Ourea était parti au nord de la rivière. Ah, j'ai le droit de buter des chèvres maintenant, trop bien. Voilà, comme ça, si j'ai besoin de me faire une toile de tente, j'aurai tout ce qu'il veut. Ouh là là, il y a des étincelles de partout ici. Oui, c'est les espèces de piaf, les étincelles. Quand même. Ça serait dommage de passer à côté. Là, quoi? Lapin? Non. Ça doit être Naltouk qui regarde cette tour. On dirait qu'elle émet une sorte de signal ou d'impulsion. Répare autour à une résistance. D'accord, ça buff les machines. Donc maintenant, avant d'attaquer une zone, c'est encore pire que les zones sous la corruption, il faut que, essentiellement, je défonce ce truc. Je ne sais même pas comment, d'ailleurs. Sinon, tout ce qu'il y a autour, y compris ces sales dindons énervés, vont me faire une fiesta. Assez terrible. Naltouk? Qui es-tu? Comment tu m'as trouvé? C'est Burgren qui m'a dit. J'ai suivi les canettes de Birville. Il était têtu. Je lui ai répété des milliers de fois, je n'ai rien besoin d'acheter. Mais décidément, il ne veut rien entendre. Et je n'ai rien à vendre. Je veux juste trouver Ourea. Impossible. Là où elle est, seul un chaman peut aller.
Elle cherche le conseil de la voix de la lumière bleue. Voilà quelle est sa tâche. Et la tâche qu'elle m'a confiée est d'observer l'œuvre du Daemon. Et de l'arrêter, si je le peux. Mais comment se débarrasser de ces tours? En quelques semaines, elles sont apparues dans toute la plaie. C'est de là que l'énergie du Daemon émane. Elle rallie les machines et elle les répare. Aratak dit que ce Daemon rend les machines folles. Regarde, celles qui ont des marques violettes, elles appartiennent au Daemon. Elles sont plus fortes, plus dangereuses. J'ai vu un phénomène similaire. Une corruption. Mais ce n'était pas le Daemon. Vraiment? Tu en sais plus que moi, alors. Ces tours, elles propageaient ta corruption? Non. J'ai jamais vu ça. Comme j'ai dit, elles renforcent les machines du Daemon. Nous devons les stopper. Tu peux me dire où trouver Ouréa? Tu poses beaucoup trop de questions. Seulement quand on refuse de me répondre. Il n'y a qu'une seule voix qu'Ouréa veut entendre actuellement. Et ce n'est pas la tienne. Désolé. Bah, tu sais quoi? Je vais même pas partager ma bière, je vais me bastonner tout seul. Direct. J'ai deux idées. Mon arc et ma lance. Étrangère, attends. Tu peux me dire ton nom? Jean-Pierre. Allez. Bien. Si tu succombes aux machines du Daemon, je saurai comment t'appeler dans mon récit à Ouréa. Merci de croire en moi. Mais tu verras. Je réussirai. Et tu me diras où la trouver. On va aller voir ça. Hop, 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 il y en aura peut-être besoin. On va pas s'emballer non plus. Est-ce que je peux détruire la tour? Ou alors peut-être que je pourrais la pirater. Pirater? Je sais pas si ça se pirate, ça. Faut voir comment ça réagit quand on tape dedans déjà. Oh, si ça marche ça. En fait, c'est pas à peine de se faire donner du mal. Tu tapes dedans, quand ça sort. Bon, c'est pénible, faut vraiment viser le truc jaune et que ça. Ciao, blaireau. Bon, j'ai rien vu les mecs. Hein. Je sais pas pour vous, mais moi, que dalle. Ah, t'as vu un truc toi? Faut me faire voir aussi, je vais avec toi si tu veux. Non, t'es sûr? Ce que je te propose, c'est quelques flèches, des PC, et des chaises. Oula, il est plus costaud hein, ça. Oula, quel mousse gros. Ouh, ça tape, je comprends mieux pourquoi il fallait l'armer. Oh là 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 là, comment je me fais dégager. Non, on va te laisser t'énerver tout seul, regarde. Bon, l'arc, mademoiselle. Il y a un pote. Il y a un pote en plus, c'est génial. J'ai l'habitude, ça va. Attends, bouge. C'est nouveau, avant le décor pouvait me servir. Foufoufou.
peux la détruire. Ouais, en tout cas, je confirme, ça tape plus fort les bestioles. Hein. Va falloir vraiment faire supra gaffe. Alors, je rappelle pour les gens qui sont un petit peu en mode casu, faites le jeu en entier avant, puisqu'on va vous amener à déverrouiller, avant d'arriver dans cette zone, une armure qui vous permettra de subir beaucoup, beaucoup moins de dégâts, et ce sera vachement plus simple pour vous. Là, je la joue un petit peu méchant, qui a envie de se faire taper sur la gueule, quoi. Machin, bah, t'as vu, c'est pas compliqué, il suffit de se bouger un petit peu. Hein? On sait maintenant neutraliser les machines et les tours. Passons au Daimon. Peut-être Kurea devrait te rencontrer après tout. Elle ne cherche qu'une chose, l'espoir. Et d'après ce que j'ai vu, tu es la réponse. C'est beau. Elle s'est retirée au-delà des montagnes, les aiguilles de glace. Tu dois suivre la voie des chamans pour t'y rendre. Tu sauras que tu es arrivé en voyant un hôtel. Tu vois le trou, il y a de la brume. C'est là qu'il faut aller. Les chamans qui l'atteignent en prennent un morceau comme récompense. Tu vois là, il fait tout noir et humide. Si tu y arrives, pareil, c'est là qu'il faut aller. Tu l'auras mérité. On va s'épargner les trucs. Ou alors je vais les zapper parce que je préfère vous les laisser découvrir pour que vous fassiez le scénario tranquille à la vitesse. Plutôt de tout vous spoiler. Alors suis les marqueurs à travers les grottes de glace et les cascades, mais sois prudente. Cette voie est censée être une épreuve, la dernière. Et au bout, je trouverai Urea. Si tu la vois. Ok. Oui, on va passer à la seconde. Bon, il faut que j'aille aux aiguilles de glace pour trouver cette voie des chamans. On y go, gros. Grosse. Alors, enfin, je monte là-dessus, tiens. Ça me dégagerait toute la map, ce serait bien. Il est où mon grand coup? 132 mètres, c'est parti. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, les amis, de ce... Désolé, les chèvres. De ce DLC ZD. Ah, moi, je suis comme le... l'agneau qui vient de naître. Pas de cette chèvre, hein, elle est morte. Mais voilà. Et je me demande. Ah, oula, 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 il y a des cases bonbons là. C'est quoi ça? D'accord, 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 du calme. Oh, ils ont l'air super vénères. J'ai tiré le rayon. Niquer sa tourelle, c'est important. Voilà. Après, elle peut plus me faire grand chose si je la laisse pas trop approcher. Fini le sketch. Hein. Qui c'est qui a été averti? Mon arc assez haut et c'est pas le maxi hein. Oh, le troisième. Je sens que ça va être sympa ce petit DLC avec ce perso qui a pas le niveau. Il va
falloir particulièrement s'appliquer à viser les parties sensibles, parce que ça va être la source de nombreux échecs. Et peut-être faire des combinaisons de tirs distants et de combats rapprochés, vu que j'arriverai pas à les maintenir à distance pendant assez longtemps pour pouvoir les dégommer, je pense. Un peu crevant sur les bonus de plan tous ces mois, les gars. Bon, en tout cas, ça va être bien parce que ça va donner de l'animation que j'avais pas trop jusque-là, vu que j'avais déjà parcouru le jeu et je le connaissais un petit peu. Piégé dans la glace. Ça fait longtemps que je vais tomber. Mais les pillards viennent de le trouver. En plus costaud, ça va être pénible. Pas faite pour ça cette grotte alors les gars, vous allez me dire. Je vais scanner le grand coup pour voir l'étendue des dégâts. Alors on verra après une petite heure de jeu si je vous recommande de faire cette extension sans... Coucou. J'en ai zappé ce que je voulais dire. Ah bon. J'étais en train de parler de la difficulté du jeu et de faire ça comme ça dans ce mode là sans avoir l'armement maximal ou les armures maximales, ça peut être marrant quoi. Oui, où j'ai eu 58, où c'était là-bas? Sérieux? Non. Minou! Mais c'est pas Minou. C'est, j'aime bien avoir des langages affectueux, mais c'est un peu... C'est gros, là. Je vous rappelle que la cuplette, quand même, dans ce jeu, c'est le meilleur moyen de se sortir. Ça sonne bon la cuplette, mais ça marche bien.
trop. Ça, c'est en fait ma mort la plus fréquente dans ce jeu. C'est faire un focus en zoomant sur un ennemi et me casser la gueule dans une falaise. C'était le dernier des pillards. Je vais scanner le grand coup pour voir l'étendue des dégâts. Ouais, enfin, t'es pas dessus, hein, cocotte. On va se finir ce truc quand même. Puis je pense que je vais pas aller plus loin pour ce stream. Ça me laissera le temps de penser, de réfléchir sagement en me disant est-ce que tu veux vraiment aller dans ce merdier protéger. Ce grand coup devait être sacré pour eux. En n'étant pas super équipé. C'est Oux. Alors lui, il peut voir un truc ici, mais... On dirait que les pillards ont pris trois pièces importantes. En les retrouvant, je pourrais peut-être le réactiver et accéder à ce qu'il a dans la tête. Ok. Donc je peux pas avoir la map tant que j'ai pas récupéré trois items. Ce vat. On va commencer par le 3, hein, c'est sympa. On sait jamais, il peut y avoir un truc bien. Non, pas la falaise, pas la falaise, pas encore. Oh là là. Oh, c'est pas cool. Ils sont trois quand même. Putain, on a coulé. Non, pas la falaise. Oh putain. Non, 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 non. Ça recommence. Oh putain, je t'avais pas vu toi, Canayoux. Ça va être très sport ce niveau. Ah, j'avais prévenu que ça serait sport. Ouais, je suis vraiment chassé là. Mais ils sont donnés de cargo, je suis dans les armes, mais ils sont donnés de cargo quand même. Thank you.
les a eus. Je suis en plein, mais c'est pas ouf. Je me suis mis dans un merdier. Les amis, ce stream va s'arrêter par là, je sens. Pour peu que je retombe sur la grosse bestiole, là, c'est parfait. En plus, on court vachement lentement, on en revient. Ok, mais j'ai 5 minutes. Non, passe là, passe là, passe là, passe là. Pas vu, c'était la cerise sur le gâteau. Donc je me suis tapé les étincelles, c'est-à-dire les trucs qui volent, plus un gros babu, genre ça, tant mieux. Chaleur, mes amis, j'étais sérieusement en train de croire que j'étais game over là. Les grands coups sont solides. Parce que j'ai eu le passage à la con où j'ai rien vu venir. Et je me suis fait coincer par ces deux piafs. Ça a débuté par deux piafs à démonter. Et je me suis fait déborder par les événements. C'était assez fabuleux. Alors je surveille l'heure quand même. Faut pas que je dépasse l'heure parce que après le fichier fait plus de 20 gigas. Et oui, là, vous regardez sur Twitch, mais moi je poste sur YouTube et une heure de vidéo dans la qualité assez proche de l'origine où j'enregistre, c'est 20 gigas, quoi. Et YouTube supporte pas au-dessus, comme par hasard. Lui, je vais me le faire, mais je vais me le faire d'une manière très très sale. Et injuste, et fourbe, et lâche, et bah, tel que ce qu'il mérite, quoi. Oui, les grenades. J'ai une folle envie de m'en servir. Monte. Il a rien eu. Je lui ai rien fait, quoi. Soyons clairs. Je vais mourir, les amis. Je me meurs. Dites-moi au revoir. Dites-moi adieu. Faites quelque chose. Mais je serai plus là dans pas longtemps. Où qu'il est, le minou. Minou. Oh oui, il est mort. Oh, je me prends pour la vie. Oh purée, ça va être. Oh putain, comme ça tire. Pourquoi ça fait mal? Celui-là est méchant, c'est un modèle très très méchant.
Faut que j'improvise quelque chose, quoi. Donc je confirme la théorie qu'on attaque le DLC sans avoir fini le jeu. Forcément, c'est beaucoup, 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 beaucoup plus dur. D'ailleurs, c'est un des reproches que je fais d'une manière globale à ce jeu-là, c'est qu'il vous ouvre les zones d'une manière très, très calculée. Et donc, bah, vous pouvez aller aux endroits qui vous sont ouverts si vous faites preuve d'un minimum de jugeote et que vous ne faites pas comme je viens de faire, à foncer dans le DLC alors que j'ai encore tout ça qui m'attend. Et tout ça, ça me permettra de finir l'aventure principale. Et en plus de récupérer les trois bouts d'armure qui sont vitaux pour attaquer la zone du DLC. Ça sera la conclusion de ce soir. Je vais me remettre un feu de camp. Et puis, je vais me mettre un feu de camp à Méridion, tiens. Hop là. En tout cas, cette version PC de Horizon Zero Dawn a fait toujours autant plaisir. Moi, je suis super heureux de jouer sur ce jeu. Certains font un gros PC quand même pour que ça tourne vraiment d'une manière charmante. Les gens qui ont la PS4 ont l'avantage d'avoir tout fait d'origine et optimisé pour la machine. Ceci dit, les développeurs patchent régulièrement de jour en jour. Là, il y a déjà eu 1, 2, 3 patchs qui sont passés, 4 peut-être. Et c'est régulièrement mis à jour. Moi, je dois avouer que quand je stream pas ou j'enregistre pas, j'ai du mal à mettre le jeu à genoux alors qu'il est en QHD. Voilà. Si je publie ça sur YouTube, vous n'échapperez pas au playlist habituel et au bouton d'abonnement. Qu'est-ce que vous croyez? Et moi, je vais me trouver une petite buvette dans le coin. Je crois que j'en ai rappelé une par là. Allez, j'y vais. La vôtre.